va se diriger vers la salle des dinosaures. Oh. Waouh. D'accord, mais sérieusement, qu'est-ce qu'il y a de plus génial qu'un T-Rex? Ça, ça l'est, hein? J'aurais juré qu'il scintillait il y a à peine une seconde, exactement comme un saphir d'Ephedia. Génial! On va regarder ça. Hein? C'est moi qui ai fait ça? Éloignez-vous de ce présentoir! J'ai un talkie-walkie et je n'hésiterai pas à m'en servir. On est vraiment désolés, je vous assure, on ne voulait rien faire de mal, vous savez. Est-ce que tout le monde va bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai été totalement tourneboulée par la beauté de l'exposition et je suis allée un tout petit peu trop près d'une des pierres. C'était un simple accident, Jérôme. Vous savez ce que c'est? Je fais ça tout le temps. Ouais, ça c'est pas faux, Matt. Vous voyez, elles ont pas l'intention de voler quoi que ce soit. Pas vrai? Tout à fait vrai. Complètement vrai. On ferait jamais ça. On vous le promet. Faites bien attention, je vous ai à l'œil. La prochaine fois, vous serez escortés hors des lieux avec l'interdiction de revenir au musée pour toujours. Pour toujours? Eh ben, ça fait drôlement longtemps, ça. Bon, il faut que j'y retourne. Tu veux qu'on se retrouve plus tard dans la salle des ypsilophodons? J'adore les ypsidoufolidons. D'accord, à tout à l'heure. Oh. Les ypsidoufolidons. Ah. Je pense que ces créatures pourraient s'avérer très utiles. Oui. Et pourquoi? On fait quoi maintenant? On peut pas s'en approcher. Une promesse est une promesse. Tu es sûre de l'avoir vu scintiller, Iris? Moi, je ne vois rien. Moi non plus. Oriana! Peut-être que nous, on ne peut pas s'en approcher, mais en revanche, avec un petit sort... Ouh! Mais c'est brillant, Talia! On va se miniaturiser, créer des tout petits vaisseaux invisibles, survoler le périmètre de sécurité et étudier cette pierre grâce à un scrutatus qui Ouh, va... Ou on peut se servir du sort cristal acéré pour lire les propriétés de la pierre. Quelqu'un a besoin d'aide. Vous pouvez faire ce sort sans moi? Y a quelqu'un? Des effets sonores? Cool! Ah non, c'est pas cool! Waouh, t'es vraiment très jolie aujourd'hui, Talia. Tes yeux brillent comme de véritables cristaux dans la nuit. Ce ne sont que des yeux, tu sais. Je t'ai trouvé un petit cadeau. Oh. C'est tout à fait déplacé. Enfin, on ne se connaît même pas. Ah, ouvre-le! C'est une veilleuse pour les livres, pour que tu puisses étudier n'importe où et n'importe quand. Comme c'est gentil, c'est super gentil, tu ne trouves pas, hein? Oh oui, c'est gentil. Oui, bon, merci, Kyle. Bah, dis donc, Talia est vraiment très difficile à séduire. Tu vois, je te l'avais bien dit. Talia est complètement distraite par ce garçon. Mon plan est infaillible. Pauvre Kyle, combien de fois il va supporter de se faire embarrer et revenir quand même vers elle? Peut-être que Talia a raison. Peut-être que c'est un des pions de Mephisto et Praxina, après tout. Il lui a bien dit que ses yeux étincelaient comme des cristaux dans la nuit. Coïncidence? Peut-être pas. On doit tout faire pour l'éloigner, alors. Talia l'aime pas, de toute façon. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, Salut, sept les filles. Et huit. Vous hein? occupez pas de nous, on restera pas longtemps. Je voulais seulement t'apporter un smoothie super frais pour les répétitions, Talia. Oh, merci, Kyle. Oh.
C'était pour ton bien. Bon, bah on va vous laisser répéter tranquillement, hein, Kyle? Puisque vous êtes là, vous pourriez rester. Ah, ouais, c'est top. Tiens-toi prête, il faut s'attendre à tout. Mais qu'est-ce que tu fais? Et rien du tout, je danse. Regardez qui j'ai trouvé. Il voulait sûrement une meilleure place pour vous admirer. Concentre-toi, Oriana, s'il te plaît. On va reprendre. Non, il n'y a pas de sceptre, pas de ruban et pas de « on ne bouge plus » dans cette chorégraphie. On ferait mieux de s'en aller. C'est vraiment magnifique là-dessous. J'ai l'impression d'être une sirène. Ce sont des filles avec des queues de poisson qui protègent les océans et qui... Regardez, ça doit être l'épave du Valentino. C'est un bateau très connu. Il a dû couler il y a une quarantaine d'années. Tout le monde à bord s'en est sorti, mais on n'a jamais renfloué le navire. Je suis toujours aussi surprise de voir que les transports humains sont si rudimentaires. Oh ! Mais c'est le garçon qui était sur notre bateau ! Il n'a presque plus d'oxygène. Il a perdu connaissance. On doit faire quelque chose. Si on n'était pas sous l'eau, on pourrait lui faire du bouche à bouche, mais là... Je pense qu'on devrait le faire quand même. Je prends le risque. Nah. Attends, on peut créer une bulle de cristal autour du navire. Ça ira plus vite. Oh. Cristal Atmosphérum. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette table a sûrement dû se renverser et te piéger. Hé, mais vous êtes les filles que j'ai vues répéter. J'aime bien votre chanson. Merci, c'est moi qui l'ai écrite. Bon, il y a quand même eu un petit travail d'équipe, mais c'est moi qui l'ai écrite. Ah. Qu'est-ce que tu fais dans cette épave? Je cherche des bijoux qui ont appartenu à ma famille. Ma grand-mère et mon grand-père étaient sur ce bateau quand il a coulé. Ils s'en sont sortis, mais les bijoux n'ont jamais été retrouvés. C'est ma grand-mère, elle portait les bijoux le jour du départ. Mon grand-père les a cherchés toute sa vie, mais maintenant, il est trop vieux pour plonger. Je le trouvais un peu triste ces derniers temps. Je voulais lui faire la surprise. Oh, comme c'est gentil! On va t'aider. Je m'appelle Oriana. Timothée, je crois que ma bouteille avait plus d'oxygène. Bah, pourquoi je peux respirer? Tu es toujours évanouie. Je suis une magnifique sirène que tu vois en rêve. Mais tu me rencontreras aussi dans la vraie vie et puis tu tomberas amoureux de moi et puis... Hé, mais tu ne crois pas que ton grand-père va te chercher partout? On doit le remonter sur le bateau. Oh, c'est vraiment incroyable. C'est ce qui se fait de mieux, le dernier modèle. Mets-le et je te ramène à ton grand-père. Et si tu vois des baleines, je peux même t'apprendre à communiquer avec elles. Écoute, ça c'est la façon baleine de dire je viens en paix. C'est charmant. Je commence à croire que tout ce que tu fais est toujours charmant. Bon, je vais te raccompagner au bateau. On trouvera les bijoux pour toi. C'est une promesse. Mais je peux te le promettre avec un baiser. Ta parole suffira. Par toutes les beautés de Volta, nous te promettons de te rapporter les bijoux perdus. C'est quoi, Volta? Une nouvelle marque de voiture. On ferait mieux de partir. Comment vous avez pu vider un bateau au fond de l'océan?